Onichan, je suis le papillon. Je te donne le pouvoir de traquer sans relâche Lila Rossi et de faire en sorte qu'elle se tienne éloignée de l'élu de ton cœur pour toujours. Adrien Agreste est bien trop innocent pour se méfier d'elle. Bien sûr, elle tentera de manipuler Ladybug et Chat Noir pour t'empêcher d'accomplir ta mission. C'est pourquoi tu m'apporteras leur Miraculous pour les punir de leur naïveté. Oui, papillon. Adrien, je suis Onichan. Nous sommes faits l'un pour l'autre, Adrien. Kagami? Je te protégerai de tous ceux qui voudront te faire du mal. Je te protégerai de cette fille. Lila n'est pas dangereuse, elle veut juste attirer l'attention. Et elle ne mérite pas ton attention. Ce qu'il lui faut, c'est une punition. Kagami, non! Je peux me transformer cette fois? Oui, Marinette. Waouh! Avec toutes ces amoureuses qui te tournent autour, c'était sûr qu'un jour ou l'autre, elles finiraient par se battre entre elles. Oh, mais c'est pas mes amoureuses. Place! Tu peux le faire de ton plein gré, sinon ce sera la manière forte. Vous devriez peut-être demander son avis à l'intéressé. J'étais seulement de vous aider. Par ici, suis-moi. J'ai pas besoin de toi, Ladybug. Je peux très bien me défendre toute seule. De toute façon, cette mocheté à cornes n'a aucune chance avec Adrien. Et tu sais même que je n'ai aucune chance? Hé, lâche-la! Rien ne sert de courir, Lila! Peu importe où tu te caches, je te retrouverai! Pas avant qu'on capture ton Akuma, en tout cas! Pitié, arrêtez-vous! Monsieur l'agent, je suis poursuivie par une super vilaine et Ladybug n'arrive pas à l'arrêter. Vous êtes le seul à pouvoir m'aider, s'il vous plaît, protégez-moi. Montez, nous serons en sécurité au commissariat. La Akuma doit être dans son pocket, chat noir. Par contre, pour votre front, il vaudrait mieux voir un docteur. Pourquoi vous parlez de mon front? Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est quoi ce message bizarre? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est ma voiture? Qu'est-il arrivé à la jeune fille avec une corne sur le front? Celle qui était poursuivie par une super vilaine? C'est Lila. Depuis quand elle a une corne? Oui, prends tes jambes à ton cou. Cours aussi vite et aussi loin que tu peux, Lila Rossi. Regarde. On dirait qu'elle se moque de nous. Elle ne va pas rire longtemps, crois-moi. Arrête, je suis poursuivie par un monstre. Vous avez quelque chose sur le front? Alors, quel curieux message! Ça y est, on la tient! Oh, ça recommence! Alors, tu crois toujours pouvoir m'échapper? Chérie! Madame Dupincheng! J'étais dans la boulangerie quand cette fille à cornes a surgi! Lila! Onichan doit déjà être sur place! Ne bougez pas! C'est pas compliqué, tu n'as qu'à renoncer à Adrien et j'arrêterai de te poursuivre. Je ne laisserai personne attaquer les clients de ma boulangerie. Et où est ma femme? Attendez!
Lila, ça va? Tu n'as rien? Après toutes les méchancetés que j'ai pu te dire, tu viens encore me sauver? Je me suis trompée sur toi, Ladybug. Tu es la seule à pouvoir m'aider. J'ai toujours su qu'elle finirait par t'apprécier. Qu'est-ce que c'est que ce message? Hé, hey, c'est pas gentil, elles allaient se réconcilier. Ladybug? Ma femme, elle a disparu, elle était là et pouf, plus personne. Et là, cette super vilaine apparaît et disparaît, puis vous apparaît. Tout va bien, votre femme est dans une voiture de police, saine et sauve. La super vilaine envoie ses étranges messages et elle prend la place de la personne qui a le malheur de les recevoir. La corne de l'île. C'est comme ça qu'elle la retrouve toujours. Cette fois, je sais comment gagner. C'est grâce à vous. Renonce à Adrien pour le laisser dans tes pattes de monstre jamais. Adrien, toutes les filles se battent pour lui. Personne ne se bat pour moi. Ouvrez les yeux, mesdames, je suis bien plus charmant, plus drôle et mille fois mieux habillée que lui. Comment oses-tu te comparer à Adrien, chat de malheur? Adrien est la perfection incarnée. Aucun autre garçon n'est à ma hauteur. Et je n'aimerais jamais nul autre que lui. Hein, quoi? Qu'est-ce qui te fait sourire, toi? Tu comprends cette fois? Où que tu ailles, tu me trouveras sur ton chemin. Renonce à Adrien et j'arrêterai de te poursuivre. Tu as gagné, je renonce à Adrien. Tu as un vrai talent d'actrice, mais tu mens. C'est ta corne qui te trahit. Le seul moyen de la faire disparaître, c'est de renoncer sincèrement à Adrien. Mais comment je pourrais renoncer à lui? Je l'aime de tout mon cœur, c'est trop dur, vraiment, c'est impossible. Pitié, tout, mais pas ça. La seule chose qui pourrait me convaincre, ce serait que tu me débarrasses de cet insupportable Ladybug. Cette jeune fille est tout à fait stupéfiante. Lila, hein? Ça va? Si c'est le seul moyen de te faire renoncer à lui, alors je le ferai.